Bonjour. Oh la vache. Bonjour. Ah bah je suis beaucoup trop là. C'est Jean-Benguigui qui était venu avant moi, non? C'est pour ça que c'est très très haut. Il ne devait pas toucher par terre le pauvre petit bonhomme, il a dû arriver. Non, c'est beaucoup trop haut. Attendez. C'est très technique hein, par contre. Ah, voilà. Là c'est bien. Je suis Florent Père, je suis humoriste, comédien. J'ai été découvert dans On demande qu'à en rire. Raconte-nous ta blague la plus drôle. Est-ce que vous savez comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? Eh bien on ne l'appelle pas, on va le chercher. Pourquoi a-t-on pensé à toi? Peut-être parce que je joue à la cigale le 4 juillet. Fais-nous une Nabila. Nabila? Allô? Non mais allô quoi. Comme si tu me disais, je suis Nabila, j'ai des vrais seins quoi. Je n'étais qu'un fou, mais pas... C'est du Johnny. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai... C'est pendant le naufrage du Titanic. Et y a un mec qui part tout seul sur la barque, une barque de sauvetage. Il part comme ça, il y a un autre mec qui est sur le Titanic, il lui dit « Ah dis donc, mais il y a encore des femmes à bord !» Et l'autre il lui répond « C'est pas le moment de baiser !» Te drague-t-on régulièrement? Ah ça, évidemment, alors là, bien malgré moi, je me fais draguer à peu près tout le temps. Je sens bien à ta voix que tu es un petit peu ému, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais toujours est-il que je sens beaucoup d'émotion dans ta voix. Là, vous le voyez pas, mais j'ai le buste d'un mec de 1m90 posé sur deux pattes de teckel. C'est très vilain, hein, mais ça a son charme. Salut. Je me sens tellement seul, enfermé ici. Fais-nous ta pire grimace. Rêves-tu d'être une star? Je rêve surtout de continuer à jouer dans des belles salles, de plus en plus grandes et de plus en plus pleines, avec des gens qui rient de plus en plus fort. Dès que je joue plus, que je m'amuse plus, je m'étiole comme un tournesol qui ne verrait plus le soleil. Et bien oui, je suis contente dans votre auto-mouton. Vous comprenez? Es-tu prêt pour danser? Tout à fait, toujours. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Ah, Bézu, la classe, c'était la classe, ça. Ah, la gueule, le... Chante les salines, chante les salines. Imite un animateur télé. Alors, attention. J'essaye d'être le plus gentil possible dans la vie avec les gens qui m'entourent, les gens avec qui je travaille, les gens qui me font le plaisir de venir au théâtre me voir. Voilà, je pense que c'est peut-être ça mon atout.